Au départ, je voulais juste faire de la littérature. Finalement, le travail de la terre m'a toujours intéressé, attiré depuis que je suis petit. Donc, je suis parti là-dessus. Donc, je suis arrivé en pleine crise du Beaujolais. Et j'ai décidé de m'installer dans les heures les plus noires, donc en 2005. Et j'ai pris une claque d'entrée à 18 ans, du coup. J'ai fait comme on m'a toujours appris à faire, comme j'avais appris en cours, sans me poser trop de questions. Plus, j'ai pas vu dans quel environnement j'étais. Donc, je me suis planté. Mais c'est la faute à personne, hein. Voilà, c'est comme ça. Je viens d'un milieu où les vieilles folles du village font tourner les tables sans les toucher, déplacent les bibelots par la pensée. Le genre de milieu où la trad, quand il y avait trop d'enfants, trop de naissances, on donnait les derniers aux cochons. Où l'aiguille à tricoter remplaçait le planning familial. Là où les chevaux étaient une nécessité, alors que maintenant c'est devenu un luxe. Les magnétiseurs, les rebooteux, les guérisseurs, les sources magiques, les fluides, les ondes. Des conscrits, des mariages, des chants de coquelicots, des vignes, des divorces, des suicides, des saisies, des réussites, des bisous, des réussites. Je voulais dire qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est cool d'avoir des casquettes américaines, de faire les américains, mais faut qu'on compile le concept pour le business, être ensemble. Moi je ne sais pas ce que je vais devenir. De travailler dur, de taper dedans dans les vignes. Alors c'est bien parce qu'on a le respect des anciens, des durs, du coin, mais ça ne me remplissait pas le frigo. Je me suis blessé le dos dans un grand domaine en vallée du Rhône et j'ai dû me poser la question de me dire, juste avec un bépa viticole et une hernie discale, sur le milieu du travail, je ne vaux plus rien. Donc ça m'a forcé à reprendre mes études. Donc maintenant j'ai un BTS, une formation de sommelier. Donc la sommellerie, je trouvais qu'il y avait une autre dimension qui me plaisait, que je pouvais allier avec la littérature. En faisant ça, j'ai continué de garder mon blog. Donc ça me permet de toucher des gens sur le territoire, enfin le Beaujolais, je veux dire, d'expliquer ce que je fais à ma façon, qui ne correspond pas à 10 000 personnes ici. C'est un peu à part, mais j'ai une façon de communiquer un peu à part, quoi. Pour commencer, on avait 7-8 hectares de vignes. Plus on faisait un élevage de veau, ça durait 5 ans. Puis après, bah, comme la vigne, le vin a été réévalué, ça nous a permis d'arrêter tout ce qui était élevage et de se consacrer qu'au vin qui marchait bien, après, surtout en bouteille. J'ai travaillé chez mes parents encore avec le treuil et puis le cheval sur le plat, quoi. Ce qui est intéressant, ce que je redécouvre maintenant en passant en bio, en parlant avec mon père, c'est que mes grands-parents travaillaient en bio, mes arrière-grands-parents, sachant qu'on est vignerons ici depuis 1800 et des boîtes. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment par choix, parce que j'ai eu des petits soucis de santé après, sur le chimique. Mais j'ai le label bio, mais je fais pas mieux que mon grand-père. J'ai rencontré François dans un salon. Il est en biodynamie. Il est bien plus vieux que moi. Je ne sais pas quel âge il a. Peut-être le même âge que mon père. Il parle calmement, il a la paix. Il parle de construire un cuvage, il plante des vignes. Construire. Les désherbants sont arrivés, donc on a abandonné la culture, la charrue. Et puis on s'est mis à désherber, donc on était capable de faire plus de surface et avec moins de pénibilité, quoi. Des conférences en me disant tel produit vous amenez ça, tel insecticide, tel désherbant. Non, on était suivis hein, par les grosses boîtes, certainement qu'ils avaient un intérêt aussi. Hein. Il y a quelques personnes qui ont essayé de résister au départ. On disait ceux qui désherbent, c'est des feignants. Puis l'année après, ce sont des gens
qui se sont mis dedans. Hein. Mm-hmm. Après, les nouveaux insecticides, les nouveaux fongicides qu'ils ont sortis, il y a beaucoup qui critiquaient, on ne va pas employer ça, on reste au cuivre. Puis tout le monde est revenu, tout le monde s'est remis au diapason. Hein. C'était pas possible d'aller contre. Hein. Puis les désherbants, personne ne se doute, mais normalement, on ne doit pas approcher les rivières, on ne doit pas approcher les routes, on ne doit pas approcher un tas de choses maintenant. On doit rester en retrait. Quoi. C'est-à-dire quelque chose de mauvais, on va en faire une tradition. C'est-à-dire que désherber, on nous fait croire que c'est une tradition. C'est pas une tradition, c'est arrivé après-guerre. Quoi. Cette espèce de pression un peu qui disparaît petit à petit, mais qui existe encore sur certains villages ou certains secteurs. Ou tant que c'est pas désherbé, c'est qu'on a mal fait son boulot. Quoi. Donc au départ, il y a ma connerie dans le sens où je me protégeais pas, parce qu'il faisait chaud, et je désherbais en vodka, en basket. Quoi. Et donc au bout d'un moment, j'ai eu des problèmes aux doigts de pied. Donc j'ai développé le syndrome de Raynaud. Et du coup, j'ai les doigts de pied tout le temps congelés quand il fait en dessous de zéro. Quoi. Et pour aller voir des nutritionnistes et des pharmaciens et des médecins, puisque du coup, on commence à en parler, je ne suis pas le seul à avoir développé ça et j'ai rencontré pas mal d'arboriculteurs. Il y a des gens qui se sont rassemblés aussi pour en parler. Et bon, ça, c'est pas grave, hein, c'est pas un cancer ou c'est juste chiant parce que du coup, j'ai les doigts de pied vraiment congelés, donc du coup, je peux plus marcher. Donc le pyralion qu'on utilisait pour contre les scas. Et la maladie ne se voit pas dans l'hiver, ni au printemps, c'est en plein été, quand le cèpe est bien joli, bien développé, prend une crise cardiaque terminée. Quoi. Et on traitait ça donc tout de suite après la taille, avant la pousse, on traitait au pyralesca, qui est d'arsenite de soude, avec des protections. Ouais, des gants, puis un mouchoir, non. Mais par contre, quand on les a rendus, que c'était interdit, ça fait déjà pas loin de 20 ans peut-être, c'est interdit. Donc après, eux, ils prenaient des gants, des combinaisons, tout un tas de systèmes pour se protéger. Et alors, en plus, on avait le droit obligatoirement de les rendre, mais que les bidons pleins, alors c'est ce que j'avais bien compris. Ce qui est entamé, à la limite, il fallait pas le rendre. Bon, on l'a rendu quand même. Nous, on nous a laissé pendant des années à servir de ça sans. Après, c'est pareil, dans les produits, on a eu des antipourritures qu'on n'utilisait pas du temps de mon père ni moi. Et commençait à utiliser les antipourritures pendant qu'il y avait. Dès qu'on les a utilisées, après, c'était au moins deux traitements par an, quoi. Machine d'ailleurs, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Hein. Les gars, ils traitent même s'il n'y a pas besoin. En antipourriture, bah depuis que David est en bio, on n'a jamais retouché un antipourriture. Il parle de construire, j'ai 29 ans, je fais la guerre, dans mon cœur, dans l'administration, pour remplir mon frigo, pour pardonner, pour faire la paix, pour trouver ma place, pour trouver une place, pour aller me doucher, pour faire rentrer les chats, pour faire la vaisselle, pour pas chialer. Pour rien oublier, pour progresser, pour rentrer chez moi, pour être à l'heure, je fais tout le temps la guerre, je parle de détruire, je parle de chaos, je suis épuisé, j'ai rien compris, je suis un ignorant, les derniers seront les premiers, je suis en train de comprendre. Hashtag, y'a de la place pour tout le monde. Hashtag amour. Ma tête, posée sur ses reins, je me sens bien. Tout ça ne tient qu'à un pruneau, un abricot.
bien à vous. Bien à vous. J'ai vu le conventionnel parce que je l'ai pratiqué, je suis passé en bio, je travaille pour quelqu'un qui est en biodynamie. Donc je vois bien le pont qui a été fait. Mais je prends l'exemple de mon papa qui était en conventionnel. On arrive à parler. Mais parce qu'il y a du résultat, parce qu'on cherche et on se pose des questions. Et je dis pas que c'est la vérité, hein, le bio ou la biodynamie, mais on essaye de trouver des solutions. Il y a une génération, je pense, qui est, en tout cas je parle du Beaujolais, qui est en place, qui est vieillissante, qui se pose pas de questions et qui est plombante. Et ça va avec le fait de ne pas s'ouvrir sur l'agriculture biologique ou ne serait-ce que de juste de parler de biodiversité déjà. Sauf que le vent est en train de tourner, de ce que je vois sur le terrain, pour faire pas mal de bar à vin ou de salons ou de discuter ne serait-ce qu'avec de par mon travail. Les gens qui se promènent commencent à se poser des questions. Vous voyez que c'est tout désherbé, tout de suite ça va vous mettre la puce à l'oreille sur les vins en disant bon déjà le gars il est pas en bio, donc s'il met ça dans ses vignes, qu'est-ce qu'il met dans les vins? Demande nouvelle, il y a une nouvelle génération de consommateurs en vin nature, donc sans soufre, sans additifs, sans collage, sans filtration, quasiment sans rien quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est, ça a l'air facile quand j'explique ça, mais le but du vin, ça fait jus de fruits, ensuite ça devient du vin, et après l'histoire du vin, c'est de devenir du vinaigre. Le but du vigneron, ça va être de rester avant vinaigre. Donc c'est très technique de faire du vin sans soufre. Il y a un côté un peu je m'en foutiste et un peu romantique quand on l'explique, mais c'est vraiment technique. Moi d'ailleurs, ça m'a estomaqué aussi parce que j'ai jamais pratiqué ça, moi. Du vin sans soufre, j'ai jamais fait. Hein. C'est nouveau. J'avais toujours peur que ça s'oxyde. Mais finalement, le peu de soufre qu'il y a naturel dans un vin, peu de sulfite qu'il y a de naturel, il est certainement 10 fois ou 20 fois meilleur que le soufre qu'on rapporte, qu'on rajoute artificiellement. Quoi. Sur les cuvées en Beaujolais nouveau, j'avais appelé ça Massaï. Voilà. J'écris des poèmes aussi sur chaque contre-étiquette, où il y a des clins d'œil, après les gens le trouvent ou le trouvent pas. Ce qui est marrant, c'est que des clients qui sont pas du tout dans le vin comprennent tout de suite ce que je veux dire. Et enfin bon, c'est marrant, du coup je mélange l'art, l'écriture, etc. Au loin, j'entends hurler la Lali. Alors je descends à la cave, plonge les mains dans les cuves, me peins la gueule à Lali. Et je pars du village, les marques au visage. Toujours, je te chanterai l'amour. Avant le Cassius Belli. J'en avais honte pendant longtemps du Beaujolais nouveau. Et puis finalement, le fait de côtoyer des gens en nature, en Beaujolais et autres, parce que j'ai rencontré d'autres gens en vin nature, ça m'a redonné envie de le côté noble en fait, du vin et du travail de la terre. Salut, moi c'est Nelson. Le matou à tout le monde, le matou à personne. J'étais de Paname. Je mangeais dans le radeau Lucien. J'écoutais du jazz ou je piquais un peu de poiscaille au jacquis, un niaf qui refaisait dire ribouille. Après une baston, j'ai eu la vision mono. Ils m'ont pas loupé, les salauds. On se fait bloquer des vins en appellation, alors qu'on a la presse avec nous. Donc, en signe de protestation, de fatigue, protestation, et puis par facilité, j'ai déclassé mes vins aussi en vin de France. Alors, ma cuvée en vin de France s'appelle Nelson. Du coup, et juste parce que dans la même semaine où je me suis fait refuser mes vins, je récupère un chat qui traînait devant chez moi, qui est borgne. Et un gros matou, que je pensais méchant, que je voulais pas faire rentrer. Et en fait, j'ai fait l'erreur de le faire rentrer. Et en fait, il décolle plus de chez moi. Et il est très, très, très sympa. Et je détestais les chats, j'étais allergique. Et je ne suis plus allergique aux chats. Et ça reste un pote. Et je me dis, bah autant prendre la vie comme mon chat le fait, c'est-à-dire que. S'il y a des trucs à manger, je prends. S'il n'y a pas à manger, bah, c'est pas grave, je reste au soleil. Voilà, c'est une philosophie de vie, quoi. Là, j'avais un cru dernièrement en Côte de Brouilly. Et puis, la vinif a été très compliquée. Même si c'est un millésime facile, moi j'ai trouvé que c'était très compliqué pour moi perso. Et du coup, je l'ai déclassé en vin de France. Et j'ai fait une dédicace au. Enfin, je me suis inspiré du groupe NTM. Et puis je l'ai déclassé en Côte de Brouillard. Voilà. Je fais des cuvées en vin de France, ce qu'on appelait avant le vin de table. Parce que je suis libre de faire ce que je veux, je ne représente rien. Personne m'emmerde sur le Gamay, le Beaujolais, le goût de banane. Je fais ce que je veux sur l'étiquette, et puis je peux mettre le prix que je veux.
Et que les gens soient d'accord ou pas, j'arrive à vendre mes vins de France plus cher que mes Beaujolais. La semaine dernière, quand mon frère a donné, offert deux bouteilles de Nelson, c'était venu m'aider à dépanner le 4x4. Il est rentré chez lui, après il les a mis à l'abri sur moi à la cave, et il y a quelques jours, il a eu un de ses amis de Glaizé qui est allé le voir avec un copain à lui. Il a ouvert une bouteille de Nelson. Les deux gars ont dit oh, il est super, ce vin-là, il sort d'où? Il n'y avait pas d'étiquette, hein, il donnait des bouteilles comme ça. Alors il dit, bah, c'est mon neveu qui fait ça. Il dit à son pote, et bah, toi, que t'es bah, le roi des cons, parce que toi, tu nous dis toujours que t'aimes pas le bio, et c'est du bio, ça, et du vrai. Ah oh, bah oui, bah, toi, bah, il dit, ouais, tu dis toujours que t'es contre le bio, t'aimes pas les vins bio, et t'es le premier à dire qu'il est bon. Ah, il est bon, du coup, ils ont bu les deux bouteilles, alors c'est qu'il était bon. Et j'ai eu des propositions pour des fois aller vinifier aux États-Unis ou ailleurs, hein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Chili. Et les Français, on est très bien vus. Là, il y a la French Touch qui marche vraiment dans le vin, comme dans la musique, d'ailleurs. Et on est fiers de nous à l'extérieur. Et c'est rigolo parce que du coup, d'ici, je trouve beaucoup de vignerons qui baissent les bras et qui ne sont pas fiers et qui ont peur, etc. Et je me rends compte que il faut être fier de ce qu'on fait ici et qu'on a beaucoup de potentiel à faire ressortir. Du coup, ça me donne beaucoup d'énergie. Quand mes parents sont arrivés en retraite, j'ai décidé de garder 2,5 hectares à peine en production. Une erreur ou pas, je sais pas, mais je l'ai gardé. Je fais des essais et puis ça permet à mes parents de ne pas arracher tout ce qu'on avait parce que mon père n'arrêtera jamais les vignes. Mais je le fais sans... J'ai plus la nostalgie ou la culpabilité d'arrêter, de me dire voilà. On fait comme ça pour l'instant et puis on verra la suite. Un jour viendra où je ferai partie du top. C'est les astres qui l'ont dit, c'est mon vieux fils de pute m'ont redit. Faut être éprouvé à avoir la couronne, ça prend plusieurs minutes. Mon beau jeu comme ma chambre, c'est Capharnaüm. J'ai 30 balais, je commence à comprendre ce qu'est être un homme. Accéder au succès sans sucer. Même quand j'ai fait deux pas en arrière, j'ai encore un temps d'avance. De l'amour, du gamet. Leur dernière vision sera un jamais et un show. Won't you give me the beat back? It's a beautiful day. Won't you give me the beat back?
fouette, disait Welbeck. Alors je désapprends le vin pour être un bon vigneron. Dans le chaos, de nouveaux germes. Faire du bauge, de nouveaux gemmes. Ma croyance en l'au-delà me réanime. C'est mon côté lunatique. J'ai pas l'air, mais je suis très timide. Je te cueillerai des fleurs. C'est mon côté romantique. Devenu attentif à la forêt, à ses sons et aux signes des cieux, mi-gorille, mi-garçon, veuillez applaudir mon entrée, mesdames et messieurs. Courir après le monde m'a déçu, je suis redevenu fier de ma terre, de venir de la terre, d'avoir de la terre. Get back, step back.